Bon, nous voilà au garage. Aujourd'hui, je vais monter les coussins. Donc, première chose, on va prendre les hauteurs. Alors, pour ça, on prend un mètre, hein. Hop. Donc, on va prendre les hauteurs. Donc, avant tout, voilà, on a 75,5. On va regarder de l'autre côté. Normalement, ça doit être pareil, hein. Hey, 74. Et je sais pourquoi. C'est parce que j'avais commencé à lever ce côté-là. Donc on doit être sensiblement à 75 de haut. En premier temps, n'oubliez pas, important de caler votre véhicule sur chandelle. L'autre côté, on va laisser le cric juste en appui. Et maintenant, on va démonter la roue. Une fois enlevé la roue, eh bien, on procède, on enlève la butée. Voilà. Une fois la butée enlevée, eh bien on va enlever l'étrier. Donc je vais prendre quand même un cric pour mettre en appui en dessous, pour pas que la suspension, pour pas que le châssis puisse descendre en fait, les lames de ressort. Donc voilà, j'ai calé le pont. Donc maintenant on va défaire les étriers à l'avant et à l'arrière. Donc vous prenez une clé adéquate. Et on y va. On va desserrer gentiment. Bon là ça passe pas, faut que je prenne une rallonge. Donc j'ai attaché avec un zip pour le compresser et maintenant on va le mettre là-haut. Aïe. Bon, on va le serrer. Tu t'en sors? Hein? Tu t'en sors? Hein? Et par contre, moi je vais monter, faire un dépôt à la caisse d'épargne. Ouais, bah, tu fermes, hein? Je te ferme devant, tu m'attends. Ouais. Voilà, encore un petit coup.
Voilà. Je peux pas plus, hein. Oh, je suis. Ah. Bon bah. Il est en place. Donc maintenant, on va venir mettre les étriers. Pour mettre les étriers, c'est très simple. Vous avez les trous. Ben voilà. Hop. On y remet les vis. Voilà. Ah merde. Est-ce que je vais pouvoir serrer? Eh non. Putain, alors attends. Ce qu'on va faire, on va pas s'emmerder. On va enlever. Ah, j'ai pas pensé à ça. Donc on va venir lui le recompresser pour pouvoir venir mettre le tuyau. Bon, j'ai monté la suspension. Je me suis fait un peu chier. J'ai pas filmé parce que je me suis fait un peu chier tout seul. Voilà. Donc je vous montre. Donc l'amortisseur est vissé directement au châssis. Pour bien finir de le visser, j'ai utilisé une clé à sangle où je me suis mis en appui sur la partie métallique pour qu'il soit bien dans l'alignement du châssis. Donc ensuite, on resserre les gros boulons des étriers à la clé dynamométrique. Voilà, et voilà. Et en fait, j'ai dû redémonter parce que j'ai pas fait attention, mais j'avais mon raccord. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, mon raccord qui était passé de l'autre côté, de ce côté-là, et du coup j'ai le câble qui passait au milieu et c'était pas bien. Donc là au moins il touche nulle part et je vais laisser ça comme ça. Donc, eh ben écoutez, je vais remonter la roue et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc même topo, on dévisse la butée. Maintenant, on va venir positionner l'amortisseur pneumatique, quoi, le renfort pneumatique. On va le visser directement à la place de la butée et je vais venir le serrer à la clé.
Donc on le visse comme ça jusqu'en haut et après on viendra le bloquer avec la clé. Donc je vous montre, il vient se visser directement en lieu et place du tampon. Donc là c'est un jeu de patience, hein. Faut le faire tourner, bien le bloquer et surtout faire attention après que la sortie qui va se trouver que la sortie d'air qui va être ici soit de ce côté-là du véhicule. Allez, je vais serrer ça et je vous reprends dès qu'il est serré. Donc là, j'arrive quasiment au fond de serrage. Maintenant, ce qu'on va faire, alors, je vais regarder si là derrière, non, c'est bon, ça gêne pas. Ce qu'on va faire, on va utiliser la clé pour lui faire un demi-tour complet. Bah ouais, regarde, je suis en train là. Écoute, j'ai dans les 7000 abonnés, hein. 7200 là. Ah ouais. Ça commence à bien marcher là. Ça fait 2 ans. Ouais. C'est surtout ça, ouais. C'est le camping-car surtout. Tu fais des montages et tout après ou pas? Ah ouais. Ça va prendre du temps, non? Ça c'est un peu long, ouais. C'est un peu long. Ça. Ah. Bon, alors on en est où là? Je vois pas la sortie. Elle est où? Donc là, allez, encore un demi-tour. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec la sortie du bon côté. On n'a plus qu'à remettre. L'étrier est à sa place. Et c'est bon. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre là-bas. Hop là! Hop, et on va faire pareil de ce côté-là. Là, normalement, on est droit. Nickel. Bon, il n'y a plus qu'à serrer.
ici. Voilà. Ah oui, bon. Donc maintenant. Alors maintenant, il faut que je fasse. Une petite entaille ici. Pour lui. Donc le boudin est serré, est en place. Donc maintenant, on va venir le mettre à sa place ici et serrer les boulons en dessous. Allez, je serre ça et je vous reprends juste après. Donc là, on est bon, on est bien placé. Partout, on est nickel. Voilà, l'étrier est bien serré. L'amortisseur est à sa place. Donc ce qu'on va faire, je vais faire une petite encoche juste ici pour pouvoir remettre le capteur ABS. Bon les amis, je me retrouve sous le véhicule, je suis en train de passer les câbles, donc je les passe le long du châssis, comme ça. Là, j'ai fait une popote pour repartir par là-bas. Là, il me restera plus qu'un petit bout à couper et à mettre juste ici pour la protection. Donc maintenant, on va faire passer ça le long ici, là. Je vais longer la boîte ici, comme ça, là, tranquillou. Et on va regarder, on va se mettre en dessous. Bon, les suspensions sont gonflées à 2,5 bar. Nickel, donc là j'ai passé le câble le long du châssis. Là j'ai fait une popote et là je remonte comment ça? Ben, je remonte le long du châssis et j'accroche tout le faisceau correctement qui va passer là. Là après il va passer ici, il va passer le long là et là j'ai fait des trous. J'ai mis des caoutchoucs et il va rentrer dans le bac à batterie. Voilà. Impeccable. Donc ce qu'on va faire après, c'est que je ferai juste un essai de gonflage et dégonflage. Qu'on voie comment ça se comporte. Donc voilà, je suis passé ici au bac à batterie directement. Je longe ce câble. C'est accroché là le long du réservoir. Ça touche nulle part. Ah, si, je vais rajouter un petit zip juste ici. Et après, on arrive là. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dégonfler les suspensions. Et on va regarder en les regonflant comment ça se passe. Allez, c'est parti, on gonfle! Faut monter à combien ? 2,5 bar, mais ça n'a pas l'air d'être mal là, non ? Là, je suis à 2,5 bar. Allez, nickel. Allez, on va ranger tout ce bordel. Tiens, tout ça, ça va à la poubelle. Attends, je suis là. Ça, c'est à la poubelle. Ça, je vais ranger. Je vais remettre. Bon, bah maintenant, on va faire un petit essai routier. Pour voir si tout va bien. Bon, je viens de raccorder. Donc j'ai pris un peu de mou. J'ai fait une... Donc ça sort de la batterie. J'ai fait une boucle pour arriver là. Et là, pareil, j'ai fait une boucle pour arriver là. Comme ça, s'il y a besoin d'un peu de mou sous le camion, on sait jamais. Et ben, il y a au moins 50-60 cm de rab. Allez, ben, je vais fermer le coffre et on va procéder au premier gonflage. Voilà, le tapis est monté. Et ben maintenant, on va les gonfler à 2,5 bar. C'est parti. Donc on prend la hauteur gonflée. Dégonflée. Allez,
c'est parti pour un essai. Donc je suis rentré à la maison pour finir de raccorder correctement le compresseur, de tout bien finir, nettoyer. Et là j'ai mis la GoPro en dessous pour voir comment ça se passe. Bon, j'espère qu'on va pas la paumer en route. Bon, c'est vraiment agréable hein. Par contre la sensation quand on prend les ronds-points ça n'a plus rien à voir. Bon là je vais pas prendre de grande route parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui, mais on va vite le voir c'est quand on va croiser des camions, des voitures, quoi. Surtout des camions, c'est surtout des camions qu'on croisait. Ouais, ça faisait vraiment un gros balourd. Hein. Allez, on va faire un petit essai, on se retrouve tout à l'heure. Retrouve sur le téléphone, on va aller directement sur Google et on va taper la recherche Rubena. Alors Rubena, pour vous expliquer, c'est la marque des boudins sur ce kit pneumatique. Donc moi j'ai fait mes recherches avant d'acheter ces suspensions. J'ai fait ces recherches à savoir le produit primordial sur ce kit, c'est les suspensions pneumatiques. Donc j'ai fait une recherche et à savoir ce kit là, tous les boudins que vous recevrez dans ce kit là de par ce fournisseur Time Pro, eh bien c'est du Rubena. Donc on va regarder un petit peu, on va aller sur Rubena et on va chercher rubena.eu. Voilà, donc là c'est carrément, vous êtes sur leur site internet de fabrication. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens là? Rubena, ils font des courroies. Ils font des ressorts pneumatiques, des produits en silicone, produits en caoutchouc flexible gonflable, des rouleaux revêtus de caoutchouc, des rodelles de hockey sur glace, des composés caoutchouc, des outils, blablabla. Donc je vous laisserai aller visiter leur site internet. Mais voilà, on peut dire que déjà c'est un fabricant de caoutchouc. Donc je pense qu'au niveau de cette suspension pneumatique, on va avoir quelque chose de qualité. Donc on va aller voir directement les ressorts pneumatiques dans la gamme, pas ressort pneumatique, mais bon ils appellent ça parce que ça c'est de la traduction, vous voyez, c'est que vous l'avez en anglais, en Dutch ou en tchèque. Voilà, donc on va descendre. Il vous explique un peu tout, donc ressort pneumatique type Rubena. Ah, ressort pneumatique type Dunlop. Donc déjà, on a une comparaison, je pense, entre les deux. On a les fiches techniques du pneumatique Rubena et du pneumatique Dunlop. Donc je vous laisserai aller voir leur gamme de produits, qu'est-ce qu'ils font, comment c'est, les qualités et compagnie. Donc voilà,
Alors, je vous laisserai aller voir sur leur site internet, parce que bon là, c'est pas le but de la vidéo. Moi, je voulais tout simplement vous dire que voilà, j'ai pas réussi au niveau des suspensions Dunlop. On m'avait conseillé ces suspensions. J'ai contacté à plusieurs reprises la personne qui s'occupe des suspensions pneumatiques. J'ai fait des mails. On avait à peu près une dizaine de kits de vendus. Et malgré tout, elle a fait aucun geste commercial. Bon, écoutez, au bout d'un moment, moi, je me bats pas contre le vent. Donc, je suis parti sur autre chose. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché parce que je voulais quand même un produit qui tient dans le temps. Et du coup, j'ai trouvé ces suspensions-là. Pour faire un comparatif simple, les suspensions Time Pro de chez Time Pro avec les coussins pneumatiques Rubena, moi, c'est une suspension que j'ai achetée 380 ou 390 euros avec les frais de port. Pour ce kit qui comprend les deux suspensions, les tuyaux, les raccords, le compresseur, la commande qui s'incruste directement à la forme dans le tableau de bord. Et c'est tout. Et bon, les coussins avec les brides, blablabla. Donc ça, je l'ai payé 380 ou 390. Je me souviens plus, c'était au mois de juin. Pour le même kit chez Dunlop, eh ben, il fallait compter 1500 euros. Donc certes, il doit y avoir une différence, ça c'est clair. C'est clair et net qu'il y a une différence entre le Dunlop et mon kit Rubena de chez Time Pro. Moi, je peux expliquer tout simplement, le kit de chez Time Pro, c'est un kit qui vient de la République tchèque. Donc moi, ce que j'en ai déduit, après c'est mon avis personnel, je vous laisserai débattre entre vous. Mais moi, je pense que c'est tout simplement la main-d'œuvre. Déjà, qui n'est pas la même que en Dunlop, je crois que c'est Slovénie. Non, je sais plus. Enfin bref, je veux pas dire où. Enfin bref, ça, je sais pas. Je vais pas m'aventurer. Mais je pense déjà savoir que voilà, en République tchèque, le taux de main-d'œuvre, il doit être très très bas. Et surtout au niveau des matières premières, ça doit être la même chose. Donc c'est pour ça qu'ils doivent arriver à faire des kits à des tarifs ultra compétitifs. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, donc pour vous dire que voilà, ce kit-là sur eBay, vous allez le trouver à 380 euros. Et le kit Dunlop, vous allez trouver pour la même chose, hein, c'est-à-dire le kit complet, ben, ça sera 1500 euros. Donc c'est chacun son budget, chacun voit midi à sa porte. Moi, c'était pas dans mon budget, j'ai pas pu, c'était trop cher. Donc je me suis rabattu sur un autre kit, mais avant de l'acheter, je me suis quand même bien renseigné parce que je voulais pas acheter de la merde les kits parce que vous allez avoir des kits dans les 300 ou 280 balles, mais c'est du made in Taiwan. Donc ça après, c'est vous qui choisissez. Écoutez, moi je pense que c'est quand même un bon produit de toute façon. C'est un renfort pneumatique. Donc j'ai entendu dire, ouais, mais t'imagines, s'il y a un des boudins qui éclate, comment tu fais? Bah excuse-moi, mais s'il y a un des boudins qui éclate, ça jamais endommagé un véhicule. On a quand même les lames de ressort qui sont sous le véhicule. C'est juste un renfort pneumatique. C'est pas ce qui tient la suspension du véhicule quand même, hein. C'est juste un renfort. On parle bien d'un renfort et non d'une suspension. Donc faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Que si un des boudins éclate, et ben il y a toujours la lame de ressort qui tient le véhicule. Et c'est pas des boudins qu'on gonfle à 4 kilos, 5 kilos ou 6 kilos. Moi perso, j'ai fait le test. Je suis parti au Portugal cet été. Je les ai gonflés à 2 bar 2, 2 bar 5 maximum. Et ben c'était nickel. C'était franchement super au niveau de l'agrément de conduite, tout ça. J'ai fait plusieurs tests. Je suis monté à 2,7 à partir de 2,7 kg quand je croise un camion. J'ai plus du tout ce phénomène de. Vous voyez le véhicule qui part de droite à gauche et que c'est un peu comme ça au volant. À partir de 2,7 kg, vous pouvez lâcher le volant et vous croisez un camion. Le véhicule, il va droit, il bouge pas. Mais par contre, c'est un peu plus tape-cul. Voilà. Donc moi, le meilleur compromis par rapport à ma charge que j'ai dans mon véhicule quand je suis parti en vacances, eh bien entre 2,2 kg et 2,5 kg, c'était super. Voilà.
Donc, ce produit, vous le trouverez sur eBay. Alors, le souci que je vais vous dire, c'est que ce monsieur travaille seul et il n'a pas beaucoup de kits à chaque fois. À chaque fois, il y a 3 ou 4 kits qui correspondent à votre véhicule. Alors, faut être patient. Il en remet, dès qu'il en a pu, il refait régulièrement des annonces. Donc là, si vous allez aujourd'hui sur eBay pour commander ce kit, vous inquiétez pas, il y en aura 3 ou 4 en stock. Et une fois que les 3 ou 4 en stock ils sont expédiés, et ben il recrée des nouveaux kits et il les remet de nouveau sur eBay. Le vendeur est assez réactif. Bon, moi, je lui avais fait une tartine, bon, pour lui expliquer un peu, voilà, avec ma chaîne YouTube, qu'il allait certainement avoir de la demande. Et effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur Instagram, donc je les remercie. Je leur ai dit, bah écoutez, j'allais essayer de voir avec lui si on pouvait essayer de gratter un petit peu. Mais bon, déjà dans ce prix-là, sincèrement, voilà. Moi, c'était surtout le but de mon mail que je lui ai fait, c'était surtout qu'ils s'attendent à vendre voilà une dizaine, une quinzaine ou peut-être une vingtaine de kits, et bah qu'ils s'approvisionnent parce qu'il allait avoir de la demande. C'était surtout dans pas ce contexte, mais bon, vous m'avez compris quoi. C'était dans ce truc-là que je lui ai fait un mail. Donc j'ai pas répondu tout de suite à tous les gens qui m'ont contacté sur Instagram. J'aurais dit que j'avais envoyé un mail. Bon, aujourd'hui, ça fait 2 semaines, j'ai pas de réponse. Je vais lâcher l'affaire, tant pis, c'est pas grave. Je vous mets directement dans la description. Je mettrai où j'ai acheté hein, sur eBay. Vous tapez Time Pro et de toute façon, vous pouvez contacter le vendeur avant d'acheter le produit pour voir la compatibilité avec votre véhicule. Parce qu'il n'a pas tous les kits pour tous les véhicules, hein, bien évidemment. Hein. Donc ça, c'est vous qui vous verrez directement avec lui en lui envoyant un mail. Il répond normalement dans la journée ou dans les 2 jours, vous avez une réponse. Ça, c'est clair et net. Et voilà. Quant à nous, bah écoutez, on va terminer cette vidéo comme ça. Donc moi, j'en suis pour l'instant très satisfait. Je les ai montés au mois de, alors je crois que c'était mai ou juin. Pour l'instant, j'ai aucun problème. Les suspensions fonctionnent à merveille, ils sont étanches. Alors j'ai des gens qui m'avaient envoyé un message pour me dire ouais moi j'ai eu un souci avec ces suspensions-là, ça fait 1 an ou 2 que je les ai montées et en fait j'ai un boudin bah, qui se dégonflait. Il s'avérait que c'était un tuyau qui était poreux. Bah il a appelé, je pense que c'est passé sous garantie ou de toute façon voilà c'est des choses qui arrivent. Mais bon. Ça peut arriver sur ce kit comme ça peut ne pas arriver et comme ça peut arriver sur un kit Dunlop ou tout un autre type de suspension. Ça peut être du Firestone, ça peut être du Dunlop, ça peut être... Il y a quoi comme kit qui sont montés? Il y en a tout un tas... De toute façon, il y a tous les prix. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé ce kit-là. J'en suis très content. Je le recommande parce que c'est du très bon matériel. Je ne suis pas emmerdé. Ça marche très bien. Moi, j'ai aucun souci avec. Voilà, on va terminer cette vidéo comme ça. Moi, je vous dis à très très vite. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Prochaine vidéo, parce que j'en ai encore en retard que j'ai pas fait. Je crois que j'ai le montage, oui, sur le nouveau camion à Sullivan. Je pense qu'on va partir là-dessus avec son antenne 4G, son routeur et toute son installation solaire. Allez, c'est parti, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!